Oh, je suis enfin rentrée. Vos sacs, madame. Laissez-moi vous aider. Tiens. Et assure-toi de ne rien casser. Tout est très cher. Ah, le shopping, c'est épuisant. J'ai été dans tous les magasins. Madame, vos chaussures de maison. Ah, la vie est géniale quand on a une bonne. Ah, je suis enfin à la maison. Tu m'as trop manqué. Le panneau n'est pas accroché droit. Mais c'est pas grave. Quelle dure journée de travail. Je suis épuisée. C'est pas grave. Je suis à la maison, non? C'est tout ce qui compte. Je pense que ce serait une bonne idée de se changer. Ah, j'adore mon armoire. J'ai tellement de vêtements trop mignons. Où est mon peignoir préféré? Parfait! Je me sens comme une reine. Pas mal, mais pas très élégant. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Alors, on a quoi ici? Ouh! Alors, c'est comment? Trop sombre. Je crois que je vais retourner voir. J'espère que ce sera mieux. Un peu de paillettes n'a jamais fait de mal à personne. Waouh! C'est la bonne! Je suis une vraie star. J'ai envie de tout enlever et de mettre mes vêtements d'appartement. Ah, génial! C'est trop confortable. J'adore le confort. Quand toute ton armoire tient sur une seule chaise, il faut pas beaucoup de temps pour se décider. C'est le soir. Je me demande ce qu'on va manger. Évidemment, je vais me régaler avec quelque chose de délicieux. Voyons ce qu'il y a au menu. Pas ça. Non, pas ça non plus. Pas aujourd'hui. Je mange pas ce genre de choses. Que choisir, que choisir? Je crois que ça, ça fera l'affaire. Ça a l'air délicieux. Et surtout, ça coûte cher. Ok, je vais commander. Je crois que ça suffira. J'espère qu'ils vont pas me faire attendre trop longtemps. Oh, c'est prêt? Merveilleux. Quel service formidable. Des nouilles sautées en or. Elles sentent trop bon. Waouh. Qui pourrait résister à de l'or véritable? Oh là là, j'ai tellement faim. Je pourrais manger un éléphant. Des yum yum? Ça va vraiment me faire du bien. Ah, c'est vrai? J'ai oublié de faire bouillir l'eau. Je suis si facilement distraite. C'est génial. Un repas bien nourrissant. Ah, et c'est tellement bon en plus. J'adore les yum yum. Mais c'est tellement nul que le plat se vide si rapidement. Mademoiselle Nikki, voici votre cocktail. Exactement comme vous l'aimez. J'espère que vous apprécierez, madame. Le micro? Oh oui, bien sûr. Comment j'aurais pu oublier? J'aime l'argent et le karaoké. Ouh, quelle belle mélodie! Sérieusement, c'est génial! On va faire la fête, les filles! C'est sympa! Je me demande qui chante. Hein? C'est tout? Déjà? C'est pas juste! Désolée, les filles, j'ai pas beaucoup de temps. C'est toujours comme ça! Ça commençait à peine à devenir intéressant. Ok, on reviendra demain, alors. Oh non, l'eau chaude est encore coupée! Heureusement, il reste du bouillon du repas. Super! Ça fait comme un gommage. Et ma peau est si douce. Oh non! C'est quoi ce son horrible? Quelle horreur! Je deviens sourd! C'est trop flippant! Tais-toi! Elle doit se moquer de nous. J'adore chanter. Je crois que je suis plutôt douée en plus. Oh non! Mes cheveux sont encore sales. Qu'est-ce que je vais faire? Comment on peut vivre sans eau? Je crois que j'ai une idée de génie. Du lait, c'est excellent pour les cheveux. Cool! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et je peux boire les restes. Les économies, ça peut être savoureux, tu sais. Les journalistes adorent le style de vie luxueux de Nikki. Oh là là, j'ai pas le temps pour ça. Nikki, juste un mot. On prendra pas trop de ton temps. Tes fans attendent désespérément une nouvelle interview. Très bien, qu'est-ce que je peux y faire? À combien tu estimes ta richesse? Pouf, aucune idée. C'est indénombrable, je dirais, à ce stade. Comment tu fais pour être toujours aussi belle? L'argent, ça peut tout acheter. Maintenant, quelques photos pour la couverture du magazine. Génial! Ça va se vendre comme des petits pains. Pas mal. Ils ont écrit quoi? Ouais, ils se sont surpassés cette fois. Je vais prendre une belle photo. Oh, mais ce fond! Il est affreux! C'est pas grave, je vais tenter de trouver quelque chose. Non, c'est pas terrible. On voit rien ici. L'éclairage est trop nul. Cette lampe va me sauver la mise. Parfait. On dirait qu'un photographe professionnel a pris mon portrait. Les gens vont se jeter dessus. C'est nickel. Wow. Ça fait une éternité que je veux changer ma photo de profil. Wow. De quoi j'ai l'air? Je crois que je dois un peu arranger mon maquillage. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Est-ce que c'est... des rides? C'est horrible. Trouve-moi
trouvez-moi une esthéticienne. Tout de suite. Vite. C'est une question de vie ou de mort. Des rides. Tu les vois? J'ai des rides. Fais quelque chose. Je paierai n'importe quoi. T'inquiète. Ce masque en or t'aidera à coup sûr. Ouf. Je déteste les rides. C'est mon pire cauchemar. Ouais, c'est... différent, j'imagine. Quelle délicieuse omelette. Je pourrais la manger tout de suite. Mais hélas, son destin va être un peu différent. On va la couper un peu et la tailler par ici. Parfait. Maintenant, mon masque à l'œuf peut être utilisé. Mes rides vont disparaître en un rien de temps. Oh là là, je m'ennuie tellement chez moi. Je sais pas quoi faire. Vraiment? Mais j'avais de si grands espoirs pour toi. Comme toujours. C'est quoi tout ça? Je devrais lire quelque chose? Non, c'est trop naze. C'est pas pour moi. Il y a des nouveaux sur les réseaux sociaux? Non, c'est absurde. Je connais déjà tout sur moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi pas aller au théâtre? Ou au cinéma? Mais j'ai trop la flemme de sortir. Je sais! Je peux faire venir le théâtre à moi. Oh, pauvre Yorick! C'est génial! J'adore! Continuez! Être ou ne pas être? Telle est la question. Hé, hey, attention! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'était mon meilleur ami. C'est affreux. Intéressant ce scénario, mais un peu triste. Incroyable. Comment t'as osé? Va-t'en. Je veux plus te voir. Fripouille! Oh, c'est terminé. C'est pas croyable. Quel désastre. On va tous mourir. C'est tellement triste. Je suis sans voix. Qu'est-ce que tu crois faire, là? N'ose pas me crier dessus. Je te laisserai pas insulter une fille. Je te défie en duel. Le spectacle est fini. On espère que ça t'a plu. Ah oh ouais, carrément! Bravo, c'était incroyable! Mademoiselle Nikki, on peut prendre une photo ensemble? Ah oh oui, bien sûr! C'est quoi cette question? Je vais aussi prendre des selfies. On voit tout de suite que je suis une vraie star. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir. J'en ai ras-le-bol de cette insomnie. Waouh! Intéressantes ces ombres! C'est trop bien! On dirait un lapin. Je peux faire quelque chose d'intéressant avec. Mais oui, bien sûr! Un théâtre d'ombre. Ce serait plutôt sympa. Ça, c'est un loup qui monte ses dents. Et voilà un écureuil. Génial! Et un petit lapinou qui bondit. Je crois qu'il est en danger. Oh! Sauf qu'il peut, mon lapin! Cet horrible loup va t'attaquer. Ouais, un théâtre d'ombre, c'est génial. Et maintenant, je peux enfin me reposer. Ah oui, c'est vrai! Comment j'ai pu oublier de poster ma nouvelle photo? Je crois que tout le monde va la liker. Oh, un like de ma mère. Elle aime toujours mes photos. Bon, c'est l'heure de se coucher. Oh, encore ce bruit affreux. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bonne nuit, Laurie. Allez, il est temps de se reposer. La journée a été longue. Oh non! De nouveaux selfies. J'ai complètement oublié. Qu'est-ce que le fils de tout le monde va faire sans moi sinon? Et voilà! Super! Je suis trop belle! Encore plus mystérieuse! Je crois que c'est la bonne! Et voilà, c'est parfait! Je me demande combien de likes je vais avoir aujourd'hui! Waouh! Déjà des milliers! Je peux dormir en paix! Tu as aimé ces sketchs sur la façon dont une fille pauvre et une fille riche passent leur soirée? Dis-nous dans les commentaires laquelle tu préfères! Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les vidéos les plus intéressantes sur les personnes riches et pauvres sur Troom Troom Wow.